Bien, on a vu le discours. Vous avez quelques questions à poser? Ouais, alors Erdogan? C'est qui les tirailleurs sénégalais? Que sais-je de ces soldats, de leurs sacrifices? Quelle mémoire la France a-t-elle transmise à ses fils? Que sais-je de plus sur ce tirailleur en Chéchia, souriant sur cette banane? Que sais-je d'eux et de leur fait d'armes, de leur courage au combat, de leur peine et de leurs larmes? Que sais-je des massacres de Diaroy ou de Sétif? On a embarqué à Dakar, au Maroc, du Maroc, Algérie, d'Algérie, à Ajaccio, en Corse. Et de la Corse? La Corse, débarquement. À Saint-Tropez. Le 15 août. Le 15 août, vous avez débarqué à Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Après Saint-Tropez, où êtes-vous allé? On a continué pour aller à Toulon. Passage du témoignage à l'histoire. Qu'est-ce que dire ton bal? Un monument et Dakar. Un nom de rue, de place ou de soir. Il est un impératif éducatif et éthique, social et politique. De mettre le sacrifice humain en perspective, d'asseoir les prémices du nez. Et est-ce que si un jour, par exemple, tu aurais la chance d'aller en voir un, de discuter avec un tireur sénégalais, quelles questions tu pourrais lui poser par rapport à la guerre, comment ça se passait pour aller en France? Oui, c'est ça aussi. Et pourquoi il était parti? Pourquoi il était parti et pourquoi il a laissé sa famille au Sénégal et aller consacrer sa vie pour un autre pays? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager comme ça? C'est une histoire. C'est une histoire, mon fils. Parce que vous avez toutes les choses, ça vient, c'est ce que c'est. On est à Dakar. Tous les jours, tous les temps, les radios parlent de la guerre. Les radios parlent de vol. Et je parle de Gaulle. De Gaulle parle. De Gaulle appelle. Bon. La folie. Toi, le tirailleur qui t'es battu avec honneur. Tu as souffert dans notre pays, mais tu t'es battu pour la patrie. Tu as traversé la mer pour entrer dans cette guerre. On t'a souhaité la bienvenue quand tu es arrivé. Et quand tu es parti, personne ne t'a remercié. Parmi tes frères, beaucoup ont souffert. Tu en as voulu à la France car ton passé est sans échéance. Ton nom fait partie de l'histoire, mais à ce moment, ce n'était pas ton heure de gloire. Tu t'es battu pour nos terres, sang et larmes ont coulé, mais tes remerciements n'ont été guère clamés. J'espère que tu pardonneras les erreurs de nos ancêtres, ne les prends pas pour des traîtres. On pense aux mères de tes frères ainsi qu'aux espoirs de tes confrères. Entière. Et si, quel